Mon professeur préféré est Yves Tremblay, un professeur d'histoire secondaire 4, car dans ses cours, c'est toujours très animé, on fait rien de routinier, car on est en notre affaire, on travaille fort, puis grâce à lui, on passe notre année. Je suis bien fier de lui. On s'est bien amusé. Tu sais, d'habitude, les cours d'histoire, c'est long puis c'est plate. Mais avec lui, là, un heure et quart, là, on dirait que c'était 30 minutes. Là. C'était vraiment extraordinaire. Et puis, j'ai vraiment aimé mon année avec Yves Tremblay. Moi, mon prof préféré s'appelle Sébastien Lampron. C'est un prof de sciences à secondaire 4 et 5. C'est mon prof préféré parce qu'il est dévoué pour ses élèves. Il fait plus qu'une récup puis il travaille plus que les heures qu'il est supposé. C'est quelqu'un qui explique bien, qui est patient, puis qui souhaite la réussite de tous ses élèves. Mon prof préféré, c'est Michel Mollen, parce que dans sa classe, c'était tout le temps le fun. On parlait, puis on riait bien gros. Puis les travails, c'était tout le temps intéressant. Puis on avait du fun avec tout le monde, il y avait une belle ambiance. Moi, mon prof préféré, c'est Jean-Michel Boucher, qui est présentement un prof d'anglais, mais moi, je l'ai eu en secondaire 3, en art dramatique. C'était vraiment plaisant d'être dans son cours. Mon prof préféré, c'est Karen Gilna, parce que dans ses cours, elle réussissait à rendre ça drôle, même si c'est de la science, puis tu sais, des fois, c'est compliqué, puis il y en a qui perdent le fil. Ben, genre, elle réussissait à dire des blagues, puis tout, puis on réussissait à reprendre le sujet, puis c'est pour ça que moi, d'après moi, c'est le meilleur prof qu'il n'y a pas. Mon prof préféré, ça a été Pascal Binet. Je l'ai eu en secondaire 2, c'était un prof d'art drame. C'est moi, l'art drame, j'adore ça. Puis ça a été mon meilleur prof à vie là-dedans, parce que il nous a amenés loin, puis il me faisait tout le temps rire. Le prof que j'ai le plus adoré dans toute ma vie à l'école, c'est sans aucun doute Yannick Gendreau, parce que ses cours me motivaient à aller plus à l'école. Il était drôle, on riait avec lui, il riait avec nous. Ses cours étaient très intéressants, la matière était super le fun. Donc Yannick Gendreau est sans aucun doute le meilleur professeur que j'ai jamais eu.